pour les vlogs normaux. En fait, ça va faire 3 mois que je pense que j'ai pas publié de vidéo. Mais là, je suis de retour et en force. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en parler pourquoi. Mais quand on va être rendu en Islande. Et ensuite, en fait, je suis en Islande seulement pour un transit. Donc, on se revoit en Islande. Hey, rebonjour, on est arrivé à l'aéroport d'Islande. Et là, je vais vous parler pourquoi j'ai pas vlogué pendant. En fait, j'ai pas fait de vidéo pendant 3 mois. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une mise à jour de mon MacBook. Puis Final Cut Pro ne marchait plus. J'ai réussi à fixer le problème avant de repartir en voyage. Et également, il y a une autre raison. C'est parce qu'en voyage, je trouvais que je profitais pas assez du moment et j'étais trop de temps sur mon ordinateur. Donc j'ai décidé de. Dans le fond, de. D'arrêter de. Ben, en fait, de moins filmer. De plus éditer et de vivre l'expérience à 100%. Donc c'est pour ça. Mais là, je reviens en force. Et puis, j'ai hâte de vous montrer ce qui va s'en venir parce que je sais pas plus en réalité. Et je me suis fait une liste, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder à droite. Là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai eu un vlog qui s'en vient, en fait, qui est déjà publié. Un vlog en anglais parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient anglais en voyage et qui est intéressé à voir mes vlogs, donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vlogs en anglais. Donc, on se revoit maintenant à Paris et l'aventure commence. Après 2 avions, 3 trains, nous sommes maintenant arrivés à Paris. Là, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que si jamais vous venez à Paris en train de l'aéroport, il ne faut pas perdre son ticket parce qu'on ne peut pas sortir de là sinon. Et oui, je l'ai appris parce que ça m'est arrivé. Donc, faites attention. Donc, on est rendu devant chez les filles que j'ai rencontrées au Cambodge. Là, j'attends qu'ils répondent. Là. Comment ça fonctionne? Bon, on va voir. J'ai fini par retrouver mes 2 amis. Coucou! Dites coucou à ma grand-maman. Grand-maman Manon, enchantée. Ça va? Hello. Ah, il sait pas faire la bise. Ah oui, c'est vrai. Allez, on joue française. Non mais ici là, maintenant. Comment ça va? Ça va. Bon. On ira acheter des assiettes en plastique, je pense. Ça va être trop chaud, mais c'est... Ah, moi, j'aime ça faire la vaisselle. Je peux aller. Bah c'est cool. Je fais tout le temps la vaisselle chez nous. C'est bien. Mais c'est bien. C'est bien, ça. C'est la seule occupation de la journée. Mais oui, c'est bien en plus. Bon, mon premier repas en Europe. Ah, putain. Des bons feuilletés au jambon. Des feuilletés. Des feuilletés. Des feuilletés. C'est des feuilletés au jambon. Hein. Bon. Et on est de retour avec Justine pour une belle journée ensoleillée. Hello! Mais celui-ci, je ne sais pas trop. Bon, on va chercher un sandwich. On va essayer pour la première fois le pain français. Et ensuite, on se dirige vers le musée du Louvre. À Paris! Mais si c'est pas trompé! Et va-t-on voir la petite blonde de hier? Ah, mais non! C'est ici que tu vas prendre. Non, c'est pas une blonde. Allez, vends-moi tes sandwichs là! Faut que tu vendes ça aux gens! Alors là, c'est du pain français, donc t'as plusieurs choix. T'as le parisien, donc typique de Paris, c'est du jambon blanc de Paris, du beurre et de l'emmental. C'est traditionnel. Ouais. Et après, toi, t'as crudité jambon, crudité poulet. Tikka, c'est au poulet cuit. Bon, après t'as du saumon. Et après t'as des pains spéciaux avec des céréales. Bon, ouais, c'est complet comme pain. Hein. Après t'as des salades, t'as des quiches. T'as pris un thé et là t'en as encore. Donc on est arrivé au Louvre, comme on peut voir, avec la belle pyramide et Justine qui. Dans son état naturel. Ça plus tantôt, ça filmait pas en plus. Il faut que je refilme. Donc ça voici... filme pas. Là, ça filme. Ouais. Il est content qu'il y ait. Donc, voici des Françaises dans leur état naturel au musée du Louvre. À chaque jour. C'est des animaux, hein, ça va. C'est comme une.
comme une église. Comme une église. Ouais. L'église, c'est notre lieu de culte. Exactement. Carrément. Mamie du loup. Bon. Mamie du loup, non? Ouais. On n'a pas ça là, au Canada, les pyramides. Pas comme en Égypte. Kevino. Oui. Tu es dans le Louvre. Ouais, c'est magnifique. De la pyramide. Qu'en penses-tu? Ben en fait, ben, c'est ça là. Ben, c'est bien. C'est tout? T'es pas ému? Ben en fait, c'est triste comme moment. Quand j'ai retrouvé mes parents, c'était sous la pyramide du Louvre. C'était quand? Hier. Non, c'est bien. Si vous voulez venir au Louvre, ouais. Je vous vends le billet 15 euros. Pas de discount? Bon, si, c'est pas trompé. Merci, Kevino. Ben, ça fait plaisir. En route vers un... Oh, la Joconde. Donc si vous venez ici, vous pouvez monter les escaliers spirales que Monsieur Joconde a fait. Là quoi? Hey guys, donc on est revenu du musée. On est revenu du musée, donc la température dehors est vraiment, mais vraiment pas belle. Donc c'est assez dommage parce que c'est le fun d'aller se promener à l'extérieur, justement à la Tour Eiffel et tout. Mais là, je suis censé rester en France pendant 2 semaines et un peu partout en France, c'est pas super beau. J'ai trouvé un endroit, ce qui annonçait quand même plus chaud et beau, c'est en Espagne. Donc, on était censé aller en ski à Grenoble, mais les plans vont peut-être changer. Je vais savoir tantôt. Donc, peut-être que je vais aller en Espagne. Mais là, pour le moment, je vais fermer le vlog. On va se redire au revoir. On va se voir dans la prochaine vidéo qui risque de commencer demain. Puis, l'aventure va continuer. On a encore un beau 14 jours, 13 jours, avant de revenir au Canada. Puis j'ai également, ce qui est le fun, j'ai rencontré des Françaises au Cambodge. Puis on fait une petite soirée poutine, parce qu'à Paris, ils ont ouvert un nouveau restaurant de poutine. On fait une petite retrouvaille dans un restaurant de poutine. Ça va être intéressant. Donc je vais être revenu en France pour le 8
février. Parce que je vais passer une semaine à Paris, j'imagine, parce que j'espère qu'il va faire plus beau. Fait que, ciao guys, on se revoit plus tard.